expect a miracle. Tu t'attends à quelque chose que toi humainement tu ne peux pas faire. Humanly speaking, you cannot do. C'est pour cela qu'il s'appelle Dieu. This is why he's called God. Il ne nous convoque pas. And he does not summon you. Parce qu'il veut nous faire plaisir. Because he just wants to please us. Il nous convoque. He summoned us. Parce que avant même que tu naisses, before you were born, il avait un temps. He had a time. Il avait une période. He had a period. Il avait une année. He had a year. Il avait un mois. He had a month. Il avait déjà préparé des jours. He had already prepared days. Pour que ce jour arrive. For his day to come. Afin que ce que tu dois avoir, what you must have, tu l'as aujourd'hui, you have it today, avant de partir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Arrête de pleurer. Stop crying. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Arrête de te plager. Stop being discouraged. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Save someone this morning. Aie la foi à ton Dieu. Bien-aimé, je sens l'atmosphère prophétique. Ça va pas tarder. It won't be long. Quelque chose va se passer. Something will happen. C'est le dernier jour. This is the last day. J'aime toujours les derniers jours. I always like the last days. Parce que les derniers jours, because in the last days, c'est là où Dieu met son tampon. That's when God put his thumb. C'est là où quelque chose that's se passe. When something happened. Gloire à Dieu. Glory be to God. Olivia, viens. Olivia, come. Viens. Viens avec ton ami. Come with your friend. Viens. Vous avez quitté la France. You left France. Spécialement. Specially. Pour venir à cette convention. Come to this convention. Vous êtes venu parce you que because vous voulez toucher. You wanted to touch Dieu. God. Ce matin, this morning, vous n'allez pas repartir les mêmes. You are not going to go back empty-handed. Vous savez, chaque fois que nous faisons, you know, every time that we do, des efforts pour Dieu, we make effort for God. Dieu voit. God sees it. Dieu voit ce que nous faisons. God sees what we do. Vous savez, you know, on a l'impression qu'il y a des sacrifices qu'on fait. We got the impression that there are sacrifices we make. C'est inutile. It is all useless. On a l'impression que we got the impression that Dieu ne voit pas. God does not see. Dieu voit. God tout. Sees everything. Mais la chose que Dieu attend, is that God waits son temps. Wait for his time. Et voilà pourquoi durant ce message qui a été donné, messages that were given, il y a un message qui a été aussi dit. There's a message that was also saying. La persévérance. Perseverance. Mais quand tu persévères, when you persevere, tu vois Dieu. You see God. Ceux qui commencent bien, those who start well, et qui s'arrêtent, and they stop, en mi-chemin, halfway, ils perdent tout. They lose everything. Quand tu commences quelque chose, when you start something, va jusqu'à la fin. Go all the way to the end of that thing. Dieu aime la fin. God likes the end. Il dit celui qui persévère jusqu'à la fin. The one who will persevere until the end sera sauvé. Will be saved. Celui qui persévère jusqu'à la fin until the end obtiendra la couronne. Obtain the crown. La bénédiction. Will obtain the blessing. Je vais prier pour vous. I'm going to pray for you. Please raise your hand. Close your eyes. Ce qui vous a poussé à venir. What pushed you to come here? Ce matin, this morning, en qualité de prophète, as a quality of a prophet, je vais relâcher, I'm going to release, les paroles sur vos vies, words upon your lives, et Dieu, and God, va agréer cela, is going to grant it. Le Seigneur me dit, Olivia, God tells me, Olivia, le temps de ta saison, the time of your season, est arrivé, has come. Cette persécution spirituelle, this spiritual persecution, Dieu va arrêter cela God ce matin. To stop it this morning, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Cette persécution spirituelle, this spiritual persecution, va prendre fin. Will come to an end this morning. Va prendre fin. Will come to an end this morning. Va prendre fin ce come matin. To an end this morning. Je dis maintenant. I'm saying now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Allez-y. Go. Lâchez-la. Release. Je dis lâchez-la. I'm saying you release. Lâchez-la. Release. Maintenant. Now. Je dis maintenant. I'm saying now. Elle ne vous appartient pas. She does not belong to you. Elle est venue. She has come. Parce que Dieu. Because God. L'a attirée. Has attracted her. Je dis sors. I'm saying get out. Maintenant. Now. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ. Lâche-la. Release. Lâche-la. Listen. Maintenant. Now. Lâche-la.
Je détruis cette alliance au nom de Jésus-Christ. Et le pouvoir familial est brisé au nom puissant de Jésus. Maintenant. Va. Saint-Esprit. Holy Spirit. Lâche-la. Laissez-la. Laissez-la. Tu échoues. You fail. Dans tes relations. Into your relationship. Je suis venu te dire ce matin. I've come to tell you this morning. Le pouvoir de l'ennemi. The power of the enemy. Come to an end. Tu es venu. You have come. Parce que tu voulais toucher Dieu. Wanted to touch God. Ce matin. This morning. Dieu te touche. God touches you. Dieu te touche. God touches you. Il y a quelque chose qui va se passer. There's something that's going to happen. Tu vas retourner. You will go back. Et dans les trois semaines qui vont venir. Into the three coming days. Dieu a préparé. Three coming weeks. God has prepared pour toi. Prepared for you. Un événement nouveau. A new event. Un événement. A new nouveau. Event. Nouveau. New event. Nouveau. New. Reçois. Receive. Au nom puissant de Jésus. De Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Touche. Laissez-la. Je déclare le divorce. Maintenant. Now. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Le divorce. C'est fini.